Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une sorte de chausson à la viande à ma façon. Parce que j'ai de la chair à légumes, mais je n'ai ni tomates ni courgettes pour faire des farcis. Donc, je vais faire une sorte de chausson avec une pâte feuilletée. Voilà, je vous fais voir tout de suite. Alors, voilà, la chair à légumes, donc, dans cette chair à légumes, je vais mettre un œuf avec un petit peu de blé, pas beaucoup, un petit peu, et je vais écraser de la mie, ben, enfin, moi je prends du pain de mie sans croûte. On peut prendre du pain, on peut prendre ce qu'on veut. Donc je le mets dedans. Je vais l'écraser dedans, comme ça, ça va bien gonfler. Et je mélangerai le tout avec la viande. Voilà, donc ça c'est fait. Bien mélanger l'œuf, le lait et la mie. Non, cachou. Non. Non. Tu regardes, tu ne bouges pas. Alors, on mélange bien. Et on va laisser. Non, pas faire. Oui, je sais. Mais c'est pas pour toi. Oui. C'est pas ta gamelle, ça. Non, non. Non, non. Non. Alors, on fait comme ça. On mélange bien. Là, j'ai ma chair à saucisse. Donc, je vais mettre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. De l'ail. Du curcuma. Et du persil. Voilà. Donc, je vais rajouter l'œuf, le lait et le pain de mie. Et je mélange bien le tout. Donc, ma viande est prête. Je vais mettre une pâte feuilletée. Alors, je calcule que ça fasse à peu près la moitié. Ah, est-ce que tu veux, mon pépère? Tu veux sortir? Allez. Allez. Pour l'instant, il est derrière la fenêtre parce que dans 30 secondes, il va re-rentrer. Il est unique, ce chat. Alors, donc, j'en viens à ma tourte.
Ça, c'est un petit morceau de persil. C'est pas grave. Donc, j'en viens à ma tour. Je vais la piquer. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mouiller la pâte. Alors, avec de l'eau, parce que l'eau, ça colle aussi bien. L'eau, ça colle aussi bien que l'œuf, en fin de compte. Voilà. J'aurais pu la faire, cette tourte, sur un plat plat, mais je l'ai fait sur le plat rond, comme ça, je pourrais la mettre dans mon four micro-ondes, qui fait four et micro-ondes à la fois. Voilà. Et les plats plus grands que ça ne rentrent pas dans mon four. Donc, je vais simplifier. Donc, je mets une couche de viande. Alors, pas de souci, s'il y a en trop, je ferai des boulettes. Des boulettes que je fais cuire. Pas un problème, hein. ça va être en boulette. Et en friture, voilà, j'en ai une bonne couche. Donc ça, je vais le mettre au frigo. Et je rabats l'autre côté. Voilà. Voilà, un jaune d'œuf. Au milieu. Voilà, je vais mettre mon chausson pendant une vingtaine de minutes au four et je vous ferai voir quand ça sera cuit. Alors avec le reste de la viande hachée, je vais faire des boulettes pour manger avec du riz.
Mon chéri, est-ce que tu trouves que ce plat te convient? Ah, c'est délicieux. C'est délicieux? Ah, c'est très très bon. Franchement. Bien. Super bon. Tiens.